Salut, c'est Kelana et aujourd'hui une petite vidéo sur les animaux légendaires d'Assassin's Creed Odyssey. Et comme vous le voyez, j'ai vendu mon âme encore à Ubisoft, hein, puisque j'ai récupéré le taureau, qui est très beau. Et Ubisoft a été plus loin que Rockstar, il lui a mis tous ses bijoux de famille. Et un magnifique monsieur qui fait des choses, là. Je sais pas ce qu'il fait. Bon. Avance. On va commencer par le premier animal légendaire. Donc c'est le sanglier. J'avais essayé une première fois d'affronter, mais il était un peu trop puissant. Donc on va prendre une petite revanche. J'espère que tu as de quoi payer le passeur. Voilà. Une petite sauvegarde, hein, on sait jamais. Il appelle ses copains. Lui, il est mort. Voilà. Ah, putain. Ouais, putain. Ah. Voilà. À la niche. Tiens, bouffe. Voilà. Et voilà. Je ferais mieux de rapporter cette peau à Daphnaï. Récupère les peaux. Là, il fait des bruits un peu chelous. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Mais il est stylé quand même. Hein.
Moi j'aime bien, ça change un peu. Tiens, voilà ta peau. Alors, tu t'es perdu? Tiens, je t'ai tué ton petit cochon. Tu es doué, très doué. Ça ne fait aucun doute. Merci. J'ai de nombreux talents, je peux te l'assurer. Ah oui? Vraiment? Eh bien, j'ai hâte de les mettre à l'épreuve. Oh? Et qu'est-ce que tu as en tête? Beaucoup de choses, mais le travail avant tout. Il existe dans ce monde des bêtes qui n'en font pas entièrement partie. Elles y ont été placées par les dieux comme des épreuves. Jusqu'ici, aucun dieu ni aucun mortel ne m'a empêché d'accomplir ma destinée. Nous verrons bien. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Je veux que tu prouves ton courage et ta valeur aux yeux d'Artémis, et que tu chasses ces créatures. Je n'ai pas à prouver ma valeur à qui que ce soit. Dis-moi plutôt quelle est la récompense. Pour chaque peau que tu rapporteras, je t'accorderai une faveur d'Artémis. Si tu parviens à tuer toutes ces bêtes, eh bien, disons que ta relation avec les filles d'Artémis en sera à jamais transformée. D'accord, je vais le faire. Combien y a-t-il d'animaux, exactement? Artémis a prévu 8 épreuves. Et tu as déjà commencé ton aventure. Va chasser les animaux restants. Comment reconnaître ces créatures? Tu verras bien. Apporte-moi les peaux. J'attendrai ton retour avec mes sœurs, les filles d'Artémis. J'espère ne pas attendre trop longtemps avant de te revoir. L'arc d'Artémis, c'est une nouvelle gravure. T'en veux voir un peu? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ouais, bon. Un Y avec des trucs chelous. Alors. Hyène, l'ours, la biche, le lion, le loup. Il y a deux sangliers et le taureau. Bon, on va commencer dans l'ordre. Alors, elle est où? Là. Oh, mais c'est super, il y a un point de... Juste à côté. Un petit coup de sauvegarde. Je n'ai jamais vu un tel monstre. Cette bête n'est pas originaire de ces contrées. Oh bah direct, t'as même pas le temps de... Oula. Attends deux secondes. Voir un peu la tronche. T'es très très moche. Photo. Merde, trop loin.
Mais ça suffit, oh! Touché quand même. Non, 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 casse-toi. Bon, mais voilà. Ensuite, on va aller faire l'ours. Je mets tout d'un coup, on lui ramènera tout d'un coup. On va pas s'amuser à faire des allers-retours. Donc, l'ours, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Voilà. C'est quoi le moins loin? Faut que je sorte du... Voilà. On va faire le reste à pied. Petite sauvegarde. Voilà.
Voilà l'ours, Callisto. Ouais, ça aurait été trop beau. Bébé. On va aller voir dans la grotte s'il y a quelque chose. Eh oui. C'est bon. Alors ensuite... Là, on va faire la biche. Je cherche une biche, s'il vous plaît. Ma mère, elle est où? Dans cette direction. Ah, elle est là. On va faire se lever le jour, ça sera plus agréable. Voilà. Un petit coup de sauvegarde.
Quelle noble créature. Cette chasse fera envie aux dieux eux-mêmes. C'est une biche, ça? On dirait plutôt un cerf. Bonjour! Elle est vénère, la biche! Oh! On se calme! T'es pas une biche, toi! Ah merde! Ah! Putain! Mais! Tiens! Dans le cul, Lulu! Tiens, bouffe! Ah merde! Tiens! Ah, les sabots dorés, les oncles. Tiens, bouffe! Ah! Ah! Non! Casse-toi! Merde, raté! Tiens! Ah non, non! C'est pas gentil. Voilà. La biche, c'est fait. Même si c'est pas franchement une biche. Le plus connu, le lion de Némée, bien sûr. Là-bas. Sauvegarde. Hop. Le roi des anneaux. Ouais, mais on va faire le boulot d'Hercule, là. M'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discrète.
Hop là. Oh, attends, attends. La photo avec le papillon. Voilà. Oula. Arrête de bouger. C'est de la triche, t'as amené tes copains. Ah, il pue tellement de la bouche que ça m'a fait reculer. Ouais. Et oh, tu... Mais oh. Tu te calmes là, oh. Toi déjà, tu dégages. Et voilà. Bon, attends, il n'y a pas une grotte? Ah si. Ensuite... Sauvegarde. Voilà.
Bon, c'est fait un peu remarquer là. Impressionnant. Ce n'est pas n'importe quel loup. Et comment tu fais pour le voir de là avec les arbres ? Ben c'est un loulou, quoi. Ah, je suis en feu. Tête du loup et peau de loup. Ok. Voilà. Ensuite, encore un cochon. Où il est ? Sanglier dérimante. C'est encore Hercule qui s'occupe du sanglier dérimante normalement. Donc, on va se téléporter là. La sauvegarde. Voilà. Avance.
Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien. Ouais, je fais que passer. La musique qui s'énerve. Ah mais c'est fini musique, hein. On est passé au milieu, ça c'est fait. Sanglier pour être aussi grand. Si c'est comme les sangliers princesse Mononoké, je dirais de l'humain, mais je suis pas sûr. Ah, et en plus il pue. Ah d'accord. Ah putain. Oh putain. Oh putain. Ah, c'était vraiment le cochon qui pue, hein. Heureusement que j'avais mon aptitude pour me soigner parce que... Il me reste le taureau. Qui est juste là. La sauvegarde.
Ah bah il est là. Hop. Ça alors. Le père du Minotaure. Je suis en train de me faire déglinguer. Ah, maintenant. C'est dommage, il aurait fait une super monture, lui. Bon. Je pense qu'on a tout le monde, là. Bah oui, on a tout le monde.
Oula. Mais non! Ah là, ça a été la flèche dans le genou, là. Alors, attendez. Petite sauvegarde. Alors, j'ai fait une petite sauvegarde parce qu'il y a le moyen de... d'avoir un trophée. On va le faire maintenant, d'ailleurs. Je vois que tu m'as apporté des présents. Toutes les peaux devraient être là. Oui. Mais ton épreuve n'est pas terminée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as prouvé aux yeux d'Artémis tes talents à la chasse. Mais il te reste une créature à vaincre. Une proie qui n'a rien d'ordinaire. Pour ce dernier affrontement, retrouve-nous, mes sœurs et moi, sur la falaise qui surplombe notre village. Attends! Pourquoi ce secret? Parce que c'est plus amusant ainsi. Une capuche, une tenue, des chaussures et des gants. Ouh, une arme et la ceinture. C'est bon? Alors... 50% de dégâts, plus 100% de santé. Ouais, mais les bêtes apprivoisées. Aptitude chasseur. Dégâts, attitude chasseur. Ouais, j'ai plus rien sur le dos, donc. Plus 18% dégâts de l'arc sous cible lointaine. Et les bottes. On va voir un peu. Oh, c'est moche. À l'arc chargé. Je vais re-sauvegarder. Cassandra, joins-toi à nous. Pour éviter qu'on me voie ici.
Je suis là. Vas-tu me dire enfin de quoi il s'agit ? Mes sœurs, comme le veut notre règle, établie par Artémis elle-même, le moment de mon épreuve est venu. Et à cette fin, je vous présente Cassandra. Dois-je en être honorée ou préoccupée ? Par prudence, je dirais un peu des deux. Assez de mystères, je veux la vérité. À chaque génération, Artémis dépêche ses messagers dans la nature. Ces créatures indiquent à ses filles la présence d'un ou d'une prétendante. D'une personne digne de les diriger. Diriger ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Triomphe de moi en combat mortel et revêt l'attribut de supérieur des filles d'Artémis. Refuse et tu ne seras rien pour nous, comme tu l'étais auparavant. Tu veux... Exactement. Tue-moi et les filles d'Artémis seront tes alliées. Les dieux nous ont réunis en vue de cet instant. Quelle que soit ta décision, tu ne peux revenir en arrière. Alors, pour avoir le trophée, il faut refuser. Non, ce n'est pas une chance de te remplacer. Tu es lâche. Très bien, pars et ne te retourne pas. Ton chemin n'est pas le nôtre. Tu n'as vraiment rien à faire. Voilà, donc là on a le trophée. Je t'aurais assez prévenu. Bon, ouais, ça va, hein. Là, on recharge la partie. C'est celle-là. On va changer celle-là, on va voir. Je dois me montrer prudent. Et merde. Automatique, automatique. Le manuel, ça doit être celle-là. Voilà. Donc je sauvegarde. Excusez-moi, je suis la reine de la sauvegarde. Voilà. Cassandra, joins-toi à nous. Je dois essayer de ne pas me faire. Je suis là. Vas-tu me dire enfin de quoi il s'agit ? Bla bla bla. Dois-je en être autre part ? Assez de mystère. Bla 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 bla. Qui suis-je pour mettre en doute la voix ? Artémis, mon sort est entre tes mains. Je t'en prie, prends soin de mes sœurs. Peu importe nos différences, qu'elles soient en de bonnes mains. J'ignore si je te succéderai dignement, mais j'essaierai. Puisse Artémis guider ton regard.
Et voilà, maintenant, toutes les filles d'Artemis s'arrêteront de m'attaquer. Allô? Bon, et voilà, c'était la fin, c'est la fin de cette petite vidéo. Pour l'aptitude. On va mettre donc guerrier. Voilà, pour taper encore plus fort. Mais on va mettre un coup de santé. Voilà. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aurais probablement coupé les temps de chargement, parce que c'est pas intéressant. Allez, à plus !